Yo tout le monde, c'est Fintech, aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur Fortnite Battle Royale. Mais comme d'habitude, t'es nouveau ou nouvelle, n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne YouTube avec la petite cloche de notification. Ta vidéo aussi à lâcher un petit pouce bleu. Et bien sûr, le plus important, c'est de tous rentrer mon code créateur Fintech dans la boutique Fortnite. Cela me fait vraiment super plaisir et bien sûr, bonne vidéo. Et juste avant de commencer la vidéo, comme tu peux le voir, j'offre des cadeaux sur Fortnite. Soit tu veux tenter ta chance ou obtenir un cadeau dans la boutique Fortnite, que ce soit un skin ou une mode, bah pour cela, c'est vraiment simple. Première chose, ce que tu fais, tu t'abonnes à ma chaîne YouTube avec la petite cloche de notification, tu lâches un like sous la vidéo et bien sûr, tu mets mon code créateur FintechSBE dans la boutique Fortnite et tu commentes ton pseudo Epic Games dans l'espace commentaire. Je te souhaite une bonne chance et une bonne vidéo. Allez, bonne vidéo. Eh bien salut tout le monde, c'est Fintech, j'espère que vous allez bien. Bien écoutez, pour un peu, j'ai vraiment super bien. Comme vous avez vu au titre à miniature de la vidéo, aujourd'hui on se retrouve sur Fortnite Battle Royale pour une toute nouvelle vidéo. Mais comme d'habitude, juste avant de commencer la vidéo, si vous êtes nouveau ou nouvelle, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube avec la petite cloche de notification. Je vous invite aussi à lâcher un petit pouce bleu, cela me fait vraiment super plaisir. Et comme d'habitude, je vous invite à vous rendre dans la boutique d'objets, de faire la case soutenir un créateur et de tous entrer le code créateur FintechSBE dans la boutique Fortnite. Cela me fera vraiment super plaisir. Merci à toutes les personnes qui penseront à faire cela dans la boutique Fortnite. Comme vous avez vu au titre miniature de la vidéo, aujourd'hui on va tirer pour moi ici un tout nouveau glitch sur Fortnite de Battle Royale en saison 5 chapitre 2. Aujourd'hui on va tirer pour moi ici un tout nouveau glitch pour obtenir soi-disant des V-Bucks en illimité. Alors c'est parti, on va tirer pour moi tester ça. Comme d'habitude, je vous invite à tous mettre le code créateur FintechSBE dans la boutique Fortnite. Cela me fera vraiment super plaisir. Alors comme d'habitude, on va se rendre dans la boutique de V-Bucks. On va sélectionner exemple la case d'un 13 500 V-Bucks. On fait la case acheter, on a le moyen de paiement de notre plateforme. On va sur le lobby, on va simplement se mettre en paramètres, on va simplement se mettre en guide d'opinion, on va se mettre sur nom, on va faire appliquer, on va faire le bouton retour. Ce qu'il nous reste à faire après, c'est juste de choisir le mode jeu, de revenir sur le mode sauver le monde. Pour les gens qui sont pas dans le mode sauver le monde, vous devez juste quitter le jeu. Une fois sur le mode sauver le monde, ce que vous allez faire là, vous avez juste à faire re-choisir le mode de jeu, attendre la connexion. Là, vous devez sélectionner le mode Battle Royale. Vous allez encore attendre la connexion du jeu. Là, vous allez revenir dans la boutique de V-Bucks. Vous allez sélectionner la case de 5000 V-Bucks. Vous allez faire le bouton acheter. Vous allez revenir. Il y aura le moyen de paiement de votre plateforme. Ce que vous allez faire après, vous allez retourner au lobby. Ce qu'il vous reste à faire après, c'est de retourner dans signalement et retour, de signaler un bug, de descendre tout en bas. Boutique Asie au salon, des récompenses que j'ai obtenues n'apparaissent pas, les prix ou les V-Bucks que j'ai achetés n'apparaissent pas, vous allez cliquer dessus. Là, vous allez faire le bouton refaire une capture, vous allez refaire simplement là, vous allez cliquer dans les paramètres, là vous allez faire le bouton continuer, il y a votre capture en grand, du coup vous allez faire le bouton continuer, vous allez faire accepter, voilà, accepter le message, envoi du signalement. Là, vous allez faire le bouton fermé, vous allez revenir dans la boutique d'objets. Vous allez faire soutenir un créateur, vous allez faire accepter. Ce qu'il vous reste à faire après, c'est de sélectionner un skin à 1500 V-Bucks. Là, on fait simplement obtenir V-Bucks. On va cliquer sur l'achat de 5000 V-Bucks. On fait encore le bouton acheter. On va simplement revenir au lobby. On va simplement aller voir encore une fois dans les paramètres qu'est d'opinion. On va se mettre sur lui. On va faire le bouton retour. On va simplement faire choisir le mode de jeu. Cliquer sur le mode Battle Royale. Attendre la connexion. Et dites simplement dans la vidéo qu'on doit attendre un 2 jours avant que Epic Games voit votre message et qu'il vous remette tous vos V-Bucks. En fait là, ce que j'ai compris, en fait, on a simplement envoyé un bug à Epic Games comme quoi on a acheté des V-Bucks, mais en fait nos V-Bucks ils sont jamais venus. Sur la vidéo, tout a l'air de fonctionner. Du coup voilà, je vous tiens au courant pour vous dire si la vidéo de glitch elle a marché ou pas. C'était Fintech, en espérant vraiment que cette vidéo de glitch vous aura plu. Je vous invite à tous vous abonner à la chaîne YouTube et de lâcher un petit pouce bleu. C'était Fintech, allez, ciao tout le monde.